Une minute. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Alors, merci d'être là ce matin à ma première conférence de presse officielle à Ottawa en tant qu'élu. Alors, je suis content d'être ici pour vous parler. Écoutez, je suis ici pour vous parler de logement social, de pauvreté, de pénurie de logement, mais aussi de désengagement du fédéral dans le logement social au Québec notamment. Mais avant de commencer, je vais vous dire que là, bon... On est peu nombreux sur la scène, mais il y a beaucoup de gens qui savent qu'on fait cette sortie-là, qui sont au courant qu'on fait ça, qui sont d'accord avec nos positions, qui ne pouvaient pas être ici ce matin, mais qui auraient aimé ça être là pour toutes de raisons d'agenda, là, qui ne pouvaient pas être ici. Alors, il y a... À ma droite, ici, il y a M. Yves Dubé, qui est le représentant, le porte-parole pour l'Outaouais de la Fédération des locataires de HLM du Québec. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la Fédération des locataires de HLM du Québec, c'est 73 000 portes, si je ne me trompe pas. Donc, c'est beaucoup de gens. Alors, M. Dubé est son représentant. Et je ne me rappelle plus le nom de la dame. Amélie Cousineau, qui est avec moi aussi. Bon, il y a les représentants du Réseau de solidarité itinérance du Québec, qui ne pouvaient pas être ici ce matin pour des raisons de logistique, mais qui nous appuient dans nos revendications. Il y a aussi le Frappru, qui aujourd'hui avait d'autres choses à l'agenda, qui n'est pas là, mais qui est d'accord avec nos revendications, qui est content que le Bloc fasse un peu de bruit sur cet enjeu-là important, mais aussi le réseau québécois des OSBL d'habitation. Ça représente beaucoup des OBNL, des coopératives. Il y en a partout, des gens qui sont impliqués dans le logement pour des femmes battues, par exemple, dans le logement pour des gens qui ont des déficiences visuelles, les aînés, des gangs de rue, des jeunes de la rue, pardon. Fait que ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui réalisent qu'on a un problème au Québec par rapport à ça. Bon, parce que, bon, en ce moment, au Québec, on vit une grave crise du logement. Il y a, en ce moment, les taux d'inoccupation sont absolument inédits en 15 ans. C'est 1,8 1,8 d'inoccupation, ça veut dire qu'il n'y a plus de logement. Okay? Il n'y a plus de logement, il n'y en a plus. Puis ce qui reste à 1,8, c'est des logements décrépits, insalubres, avec de la moisissure. Puis 1,8, c'est le taux moyen. Mais si tu es une mère monoparentale au Québec en ce moment avec deux ou trois enfants, que tu cherches un logement, le taux d'inoccupation, c'est 1,2 ou 1,6. C'est inacceptable. C'est une crise inédite. Les chiffres sont effarants. Il y a en ce moment, on considère que pour se loger, d'ailleurs, le logement, ça devrait être un droit. Hein. Tu sais, je pense qu'au Québec, il y a un consensus que, par exemple, la santé, c'est un droit fondamental. On investit là-dedans. La santé, c'est important. On paye pour ça. Tu n'as pas besoin de payer quand tu vas voir un médecin. La santé, c'est universel. C'est accessible à tous. L'éducation, même chose. On paye pour ça. La société pense que éduquer nos gens, c'est important. Mais le logement, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça devrait être un droit universel. Tout le monde devra avoir droit à un logement décent, salubre et surtout abordable. Mais là, c'est pas ça qui se passe pendant tout. C'est pas ça qu'on vit au Québec du tout, du tout, du tout. Écoutez, il y a en ce moment au Québec 500 000 personnes qui dépensent plus de 30 % de leurs revenus pour se loger. Il y en a
près de 200 000, même au-dessus de 200 000, qui dépensent 50 % de leurs revenus pour se loger. Et autre statistique effarante, au Québec, là, on n'est pas au Zimbabwe, il y a 82 000 ménages qui dépensent 80 % de leurs revenus, 80 % de leurs revenus pour se loger. Je ne sais pas si vous imaginez qu'est-ce que ça représente, là. 80 % de ton revenu que tu mets dans ton logement. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu mets 80 % là, t'as plus d'argent après ça pour la nourriture, pour le transport. Puis là, on parle même pas des loisirs, aller au cinéma et tout ça, là. Donc, c'est la pauvreté sale, c'est la pauvreté crasse. Il faut absolument qu'on se mette à réinvestir dans le logement social. Puis c'est ça, le but. En fait, il y a ça, c'est la... Moi, je dirais ça, c'est la... C'est ce qui se passe en ce moment au Québec, c'est la situation. En même temps, ce qu'on vit, le fédéral se désengage du logement social. Là, le fédéral nous a annoncé, parce que, bon, pendant 50 ans, mettons, des fins des années 60 jusqu'à 1993, on comprenait qu'il fallait que le monde, que le gouvernement investisse dans le logement. Puis on l'a fait, il l'a fait. Le fédéral a investi des milliards pour construire du logement social. Hey, c'est important que les gens soient bien logés. Mais là, ils ont arrêté en 93. Là, ils payent pour les hypothèques. Mais là, les hypothèques arrivent à échéance, puis le gouvernement se désengage. Il dit, nous, ce parc locatif-là de milliers de logements qui est en fin de vie, qui a besoin d'amour souvent, qui a besoin d'investissement massif, il est là, puis le fédéral se retire de ça. En contrepartie, j'ai-tu de l'eau ici? Donnez-moi 2 secondes. Là, en contrepartie, pour répondre à ça, pour répondre à ce désengagement dans le parc locatif que le gouvernement fédéral avait fait, il y a la stratégie nationale sur le logement qui a été lancée il y a 2 ans. Là, on annonce à grande pompe 55 milliards de dollars. Wouhou, c'est party, il y a de l'argent en masse. 55 milliards sur 10 ans. Ça a l'air beaucoup d'argent, effectivement. Puis il y a des belles choses là-dedans. Mais quand on gratte, puis quand les organismes grattent un peu sur 55 milliards, il n'y a à peu près pas d'argent pour le logement social. Puis là, il y a beaucoup d'argent, par exemple, pour ce qu'ils appellent le logement abordable. Puis là, là-dessus, il y a un enjeu Québec-Canada très clair. Très clair. Les logements sont beaucoup plus chers à Vancouver puis Toronto. Les jeunes familles ont de la difficulté à avoir juste un logement décent, là. On parle pas des familles nécessairement pauvres, on parle des familles de la classe moyenne. Puis ça, faut que j'en parle parce que ça fait qu'il me frappe depuis que je suis à Ottawa, en chambre, la marotte du gouvernement libéral, c'est de dire on va s'occuper de la classe moyenne. On va s'occuper de la classe moyenne. Mais excuse, mais les 82 000 ménages du Québec qui payent 80 % de leurs revenus pour se loger, ils font pas partie de la classe moyenne, eux. Ils sont dans le trouble, ils sont dans marbre. C'est vraiment pas facile pour eux autres. Puis c'est pour eux qu'on parle ce matin. Alors, là, dans la stratégie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour aider, par exemple, des familles de Toronto puis de Vancouver de s'acheter une première maison. On va vous donner de l'argent, vous allez pouvoir vous permettre de vous acheter, vous louer quelque chose à 80 % du prix du marché. Il y a beaucoup d'argent là-dedans. C'est pas mauvais en soi, évidemment, on est d'accord. Mais là, ils ont signé. Depuis 2 ans, il y a de l'argent qui s'en va à Toronto, à Vancouver. On a vu le ministre du Centre, d'ailleurs, faire des annonces à Toronto, puis tout ça, tout va bien. Mais il n'y a pas d'entente avec le Québec. Il n'y a pas d'entente avec le Québec. Parce qu'au Québec, on a développé des façons de faire. On a développé une approche globale et communautaire par rapport à la pauvreté et au logement qui fait l'envie du Canada. Je le sais, même le ministre libéral me le dit. Alors, il y a une approche où on encadre les gens, notamment, par exemple, dans les résidences. Tu sais, en itinérance, par exemple. Je donne un exemple en itinérance. On sait maintenant que tu prends un itinérant, tu te mets dans un logement. Si tu ne l'accompagnes pas pour aider, hey, on va t'aider à apprendre comment te faire une épicerie, ton budget, brancher Internet, toutes ces choses-là de la vie, de l'accompagnement social, psychosocial. Si on ne fait pas ça, 2 mois après, la personne retourne dans la rue. Ça, on le sait. Alors, il faut payer pour ça. Ça prend des gens autour pour encadrer. Cette approche-là existe au Québec. Ça n'existe pas ailleurs, nulle part. Et on nous l'envie. Mais il faut financer ça. Il faut financer ça. Puis là, on dirait qu'Ottawa, ils ne sont pas d'accord avec ça. Fait qu'en ce moment, depuis 2 ans, dans le cadre de la stratégie nationale d'habitation, il n'y a pas une scène qui a été versée au Québec. Et ça, bien, c'est inacceptable.
Nous, on demande. Les besoins sont criants. Les besoins sont criants au Québec. On demande. Parce que c'est toujours la même affaire que le fédéral. Ils veulent mettre des conditions. Dans tous les domaines, c'est la même chose. Mais on va mettre des conditions. On va mettre des stratégies pan-nationales. Puis suivez-nous, ça correspond à rien. Ça correspond à rien au Québec, les normes que le fédéral veut mettre. OK? Ça correspond pas à nos besoins. Ça correspond pas à notre approche. Ça correspond pas à rien. Ça répond pas aux besoins sur le terrain. Alors, faut remédier à ça. Faut remédier à ça. Nous, on demande. Ce matin, là, la demande est assez simple. On demande la signature de l'entente sur le logement pour qu'il y ait des logements sociaux qui soient construits le plus rapidement possible au Québec. Parce que on entend, nous, qu'à Québec, il y a des milliers de projets qui sont en attente de sortir de terre si le fédéral débloque l'argent. Des milliers de projets qui sont sur le bord de sortir de terre. Fait que ça, c'est un enjeu important. On pourrait faire une différence là, dans les deux, trois prochaines années. Nous, on demande un investissement de 3 milliards par année du gouvernement fédéral, ce qui représenterait 1 % du budget total pour remettre, d'une part, repartir la machine, reconstruire du logement social et remettre à niveau le parc qui existe déjà, qui est vétuste, qui est dépassé puis qui demande beaucoup de soins pour pouvoir aider nos gens. Je vous rappelle, 82 000 ménages au Québec qui dépensent 80 % de leurs revenus pour se loger, c'est inacceptable. Alors, voilà notre message aujourd'hui. Avant de terminer, je vais passer la parole à M. Dubé qui veut vous adresser quelques mots. Merci. Merci, M. Trudel. Plaisir. Je vous remercie pour votre invitation. Plaisir. Et me fait plaisir d'être présent ici devant vous. Et j'ai un communiqué à vous lire que je vais m'appliquer à vous le lire maintenant. Les négociations Ottawa-Québec, le temps commence à presser là, parce qu'il ne se passe rien. Au nom des 73 000 ménages vivant en habitation loyer modique du Québec, notre fédération est heureuse de se joindre à M. Trudel du Bloc québécois pour faire les mêmes revendications. En juin 2018, le ministre fédéral Jean-Yves Duclos était présent à notre congrès, notre 18e congrès de la Fédération, pour affirmer qu'Ottawa était prêt à réinvestir au Québec les sommes économisées à la suite de des conventions sur le financement des HLM dans le cadre de ce qu'il appelle la stratégie canadienne sur le logement. Depuis les négociations avec la ministre Thériault du PLQ dans un premier temps, et maintenant, avec la ministre Laforêt de la CAQ, les négociations piétinent et rien de concret n'a été réalisé. Donc, on demande qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là, qu'on débloque les fonds. Le temps commence sérieusement à presser, car au moins 20 % du parc HLM du Québec se trouve en très mauvais état, c'est-à-dire qu'il est coté D ou E, selon l'échelle de vétusté des infrastructures. Excusez-moi. Alors, le portrait est peut-être encore pire, puisque selon l'Office de Montréal, 40 % des 24 000 logements HLM sont en mauvais état. L'heure est grave car, en raison de la fin des conventions, le fédéral cessera de défrayer 50 % des coûts de la rénovation de près de 20 000 logements HLM au Québec d'ici la fin 2020. La Fédération a absolument besoin que le fédéral garantisse 300 millions par année à la Société d'habitation du Québec pour maintenir nos loyers à prix modique et poursuivre la rénovation de nos logements. Je vous remercie pour votre attention. Je vais laisser la parole à M. Trudel. Merci, M. Dubé. Merci infiniment. Alors, écoutez, on va prendre les questions, s'il y en a. Bonjour. Bonjour. C'est justement, vous l'avez dit, il y a beaucoup d'argent qui a été annoncé en 2017 par le gouvernement Trudeau. Or, les négociations stagnent tout le temps. C'est de la faute à qui? C'est de la faute à Ottawa? En fait, on n'en sait rien. Je pense que ce que j'ai essayé d'expliquer, puis moi, ce que je sens, c'est que... ce qui est bizarre, hein? L'approche qu'on a développée au Québec, puis quand je dis que le ministre est au courant de ça, je parle du ministre Vaughan que j'ai rencontré la semaine dernière. Lui, qui vient un peu du milieu communautaire, puis il voit l'approche globale communautaire qu'on a au Québec,
qui donne des résultats, tu sais, qui donne des résultats. Ça fait en sorte que, d'une certaine façon, la situation que je viens de vous décrire est catastrophique. Mais comme les logements sont beaucoup plus chers à Toronto et à Vancouver, il y a beaucoup de besoins là-bas aussi. Fait que j'ai l'impression qu'ils font des normes qui marchent pour Toronto puis Vancouver, où les logements sont plus chers, puis il n'y a pas de cette approche-là, qui ne marche pas au Québec. Nous, on l'a développé, l'approche. On ne veut pas faire du loyer abordable, on veut faire du logement social. Je suis pas dans le secret des dieux. Je sais pas pourquoi ça achoppe. J'ai ni des oreilles à Québec, ni des oreilles à Ottawa. Je suis pas en table de négociation. Mais ça achoppe, en tout cas. Puis la situation est catastrophique. Fait que nous, on veut que ça débloque. T'sais, ce qu'on sait, en tout cas, c'est que le fédéral, il a l'habitude, dans tout le domaine, d'imposer des conditions pan-canadiennes qui marchent jamais au Québec. Puis dans le logement, ça a l'air d'être la même chose. Fait qu'on dit, arrêtez de mettre des conditions, amenez l'argent. De savoir qui a raison ou non. Est-ce que c'est juste d'amener l'argent? Parce que le gouvernement fédéral, cet été, a déjà commencé à faire des annonces là, en termes de logement, à dépenser cet argent-là. Pas au Québec, pas que je sache, en tout cas. Québec, oui. Ben, de toute façon, il y a peut-être des miettes à gauche puis à droite, là, mais il y a des milliards dans cette stratégie-là. Puis il y a des milliards dans les besoins, surtout. Il y a peut-être un peu d'argent qui se dépense à gauche puis à droite dans toutes sortes de programmes, mais comme je vous dis... Le logement abordable, c'est pas la même chose que le logement social. Le logement social, on parle d'aider des gens à revenus vraiment modestes à dépenser juste 25 % de leurs revenus pour se loger. C'est vraiment des bâtisses qu'on a besoin. On a vraiment de bâtisses où on peut mettre des gens qui ont des besoins particuliers. Il y a des besoins, par exemple, pour les femmes battues. Il y a des besoins pour les jeunes de la rue. Il y a des besoins pour des gens qui ont des déficiences intellectuelles. Il y a des besoins... Il y a toutes sortes de besoins dans toutes sortes de domaines, tu sais. Il y a des OSBL d'habitation qui attendent des coopératives qui veulent se partir. Ça, c'est une approche unique. Puis pour ça, pour financer ça, on a besoin d'argent. On demande 3 milliards par année dans le budget. Dans le budget actuel. Ben écoutez, on l'argent a déjà été annoncé. Là. Pardon? Parce que l'argent, le 500... Le 55 milliards. Milliards a déjà été annoncé. Oui, mais il n'est pas dépensé au Québec. Il est dépensé ailleurs, mais il n'est pas dépensé ici parce qu'il n'y a pas d'entente. Québec refuse de signer à rabais une entente. Ils veulent que ce soit selon les conditions de Québec. Parce que ça n'existe pas. Juste une petite aparté. Dans le reste des provinces, on a au Québec la SHQ. Hein, ça n'existe pas ailleurs, la SHQ. Ça n'existe pas dans les autres provinces. Fait en Ontario, Manitoba, ils prennent l'argent du fédéral, ils envoient ça dans les villes, ils font des affaires. Ici, ça passe par la SHQ. On a développé ça. On a un programme qui s'appelle Accès Logis, qui marche très bien, qui donne des résultats. On sait comment faire. On a une approche. Moi, j'ai rencontré les gens du Réseau solidarité itinérant du Québec. Ils crient, dites-nous pas quoi faire, payer, on sait quoi faire, on a l'approche. Et tout le monde le dit, même à travers le Canada, Québec sait faire. Donnez-nous l'argent, on va le faire. On est prêt à réagir à cette crise-là. On veut juste que l'argent débarque. Mais en plus, quand on dit l'argent débarque, c'est toujours le même problème. On demande rien, c'est notre argent. C'est notre argent, donnez-nous notre argent. Il y avait, je lisais un chiffre à un moment donné, avant la stratégie en habitation au Québec, on a 27 % des mal logés, puis on a 16 % du fric, puis on est 23 % de la population. Allô? On ne demande pas un cadeau. Donnez-nous au moins à la part qui nous revient un quart pour cent de ce que vous... un quart de 23 % de ce que vous dépensez. C'est là la population, c'est le taux de qu'on est au Canada. Donnez-nous juste notre argent, on va s'occuper de nos affaires à notre façon. Donc, votre message aujourd'hui, finalement, ça s'adresse aussi au cabinet de Mme Laforêt à Québec? Non, mon message, ça s'adresse au gouvernement fédéral. Signez sans condition. Et demandez pas les conditions, donnez l'argent. Faites un chèque. Est-ce que vous avez parlé à vos, aux ministres fédéraux qui s'en occupent? Est-ce que vous leur avez dit? Mais j'ai rencontré M. Vaughan, j'ai dit ça. J'ai posé une question à M. Hussein avant Noël en chambre. C'est possible que je le réapostrophe ensemble prochainement sur cette question. Parce que là, bon, ça presse. Là, si rien n'est fait, là, puis M. Dubé, il serait là pour en témoigner. Le 1er juillet, là, ça va être catastrophique. On a connu ça là, au début des années 2000 au Québec. Là. Les crises de logement, des centaines et des centaines de gens qui se retrouvent à la rue, là. Il n'y a pas de place. On les loge dans des arénas, dans des centres communautaires, tant qu'on trouve compétente, qu'on trouve une façon de s'en sortir. C'est ça qui est devant nous, là. C'est ça qui est devant nous. Justement, est-ce que
Monsieur Dubé, vous pouvez expliquer un peu ce serait quoi le pire scénario si rien n'est fait d'ici le 1er juillet? Monsieur Dubé, vas-y. Sur là-dessus, je peux vous renseigner du mieux de ma connaissance. Pour ce qui est des gens, si la situation ne se règle pas puis que Ottawa paye pas, il y a des gens qui vont se ramasser à la rue. Mais carrément à la rue. Moi, je dirais que ça irait chercher dans les 30 % des locataires en HLM au Québec. Ces gens-là, c'est les gens qui ont les revenus les plus bas. C'est même en bas du taux de pauvreté. Il y a même des gens qui font même pas 10 000 par année qui restent en HLM au Québec. Ils n'ont pas ça, eux autres. Ils sont dans la rue puis ils mangent des vidanges. C'est un peu la situation qui nous attend. C'est qu'on mettrait des gens qui sont dans le besoin à la rue. C'est quoi votre message, vous, au gouvernement fédéral? J'ai juste envie de le dire. Soyez ouverts à table, soyez honnêtes et donnez-nous notre argent qui nous revient. On sait comment le faire. M. Trudel vous l'a déjà mentionné à plusieurs reprises. La situation, c'est ça. Donnez-nous là l'argent. Nous autres, on attend juste après ça pour passer à l'action. Les offices sont prêts. Alors, pourquoi est-ce que ça taponne comme ça au fédéral? Faudra peut-être le demander à M. Trudeau, là, je ne sais pas. Est-ce que ça taponne du côté de Québec aussi, ou selon vous? Québec est dans la même situation que nous autres. Il attend après l'argent. Ça passe tout par là. Québec reçoit l'argent, la SHQ le reçoit, les budgets sont prêts, mais l'argent n'est pas au rendez-vous. Fait que là, c'est des gens qui risquent de se ramasser à la rue. C'est malheureux, mais on ne veut pas ça, nous autres. Je ne sais pas si les députés libéraux peuvent comprendre ça. Je sais qu'au Bloc, ils comprennent, naturellement, vu notre présence aujourd'hui, qui est très appréciée. Alors, je réitère le message que le gouvernement fédéral devrait s'asseoir honnêtement à la table avec le gouvernement du Québec puis nous donner l'argent qui nous revient. Je crois que ça va de satisfaction. À l'accompagner M. Dubé, là, si vous avez d'autres questions, je peux répondre, là, Mme Lévesque. Ça va? Bien, merci beaucoup. Merci de vous être déplacé. Puis à bientôt. Merci.